Merci de nous rejoindre sur RTI 1 en ce tout premier jour de mars 2022. Trois titres dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix désormais restructuré, le RHDP, le parti au pouvoir, a tenu hier sa réunion de conseil politique en présence de son président Alassane Ouattara. A noter l'avènement d'un secrétariat exécutif et d'un nouveau directoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours d'une plateforme digitale visant à améliorer les conditions de vie et de travail du monde agricole. Il s'agit de Oui Agri, qui veut moderniser le secteur et s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Enfin, au Burkina Faso, la période de transition fixée à 3 ans avant les élections présidentielles, législatives et municipales. La réunion hier du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À l'ordre du jour, donc, l'examen de la situation socio-politique. Et on le sait, sur proposition du président du RHDP, Alassane Ouattara, ce Conseil politique a validé la nomination de Gilbert Kone-Kafana au poste de président du directoire et désigné Adama Bick Togo, secrétaire exécutif du parti. Les précisions de Jérôme Kofi Aboulin. Historique, la date du 28 février 2022 au regard de l'événement à vivre ce jour. Il s'agit en fait de la réunion du Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Pour présider la cérémonie en sa qualité de numéro 1 du parti, le président de la République, Alassane Ouattara, fait une entrée triomphale dans la salle de la patinoire de l'hôtel Sofitel Ivoire, préparée à cet effet. Il est environ 17 heures. Le chef de l'État s'impose un tour d'honneur rendu nécessaire, histoire de galvaniser les membres du conseil politique du RHDP, venus nombreux pour la circonstance. Au moment où il prend la parole pour donner des orientations sur la restructuration du parti, objet de cette réunion, le président de la République, dans un premier temps, s'assure et rassure quant aux bons résultats déjà réalisés et qui font incontestablement du RHDP le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Après 3 ans et demi d'existence, le RHDP est aujourd'hui le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Bravo à nous. En effet, nous avons 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Je dois dire que c'est extraordinaire et nous devons en être très, 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 très fiers. Nous devons demeurer ouverts à la collaboration avec toutes les formations politiques et prises de paix, de justice et de progrès pour le bonheur de nos concitoyens. Je vous encourage donc à aller dans les régions, les départements, les villes et les villages pour remobiliser nos militants et prôner les idéaux du RHDP, dont le socle est la paix pour notre beau pays. Toutefois, concernant la restructuration du parti en tant que tel, le président Alassane Ouattara précise entre autres que le temps est venu de combler au niveau de la présidence du directoire du RHDP le vide occasionné par la disparition de l'ex-premier ministre Amadougou Coulibaly. La première chose que je voudrais proposer au Conseil politique est la réactivation du directoire, qui sera désormais un organe chargé de conseiller le président du parti sur les grands choix stratégiques et de s'assurer de la mise en œuvre de ses décisions. En deuxième lieu, nous avons décidé de la dissolution de la direction exécutive, qui sera remplacée par un secrétariat exécutif avec à sa tête un secrétaire exécutif assisté de plusieurs secrétaires exécutifs adjoints. En troisième lieu, je voudrais annoncer que la mission immédiate du directoire et du secrétariat exécutif est d'initier sans délai
la restructuration en profondeur des structures décentralisées du parti. Le quatrième point concerne le problème du financement. Donc, je demande au directoire et au secrétariat exécutif de proposer dans les meilleurs délais un dispositif efficace pour une participation des cadres au financement du parti. En cinquième point, je voudrais dire qu'il est important de poursuivre la dynamisation du parti à travers l'élaboration et la mise à disposition de cartes d'adhésion, ainsi que la promotion des jeunes et des femmes au sein des instances du parti. Et aussi, nous devons travailler à la bonne formation politique de nos militants. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est bien clair. Il faut vaille que vaille consolider les acquis par l'amélioration des performances afin de toujours assurer la grande marche du RHDP vers plus de victoires. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, donc, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, désormais restructuré. La direction exécutive a été dissoute, remplacée par un secrétariat exécutif et un nouveau directoire créé. Alors pourquoi une telle décision? Voici quelques explications. Gilbert Kone-Kafana, ministre auprès du président de la République, actuel maire de la commune de Yopougon et fidèle compagnon politique du chef de l'État depuis l'opposition. C'est à lui qu'il revient désormais de présider le directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Un poste resté vacant depuis le 8 juillet 2020, date du décès de son prédécesseur, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Distingués membres du Conseil politique, à la lumière de ces défis et perspectives, je voudrais lancer un vibrant appel aux militants afin que nous puissions les embrasser tous ensemble. C'est en effet à travers un engagement collectif que nous pourrons œuvrer pour la consolidation des acquis et la construction d'une résilience toujours plus forte face à tous les aléas, y compris les plus malveillants qui voudraient mettre en péril le navire ivoire. Les membres du Conseil politique et vos militants voudraient par ma voix vous féliciter pour les actions remarquables que depuis votre avènement à la tête de l'État, vous avez posé afin que notre pays retrouve sa place et son rayonnement sur l'échiquier international. Évidemment, nous n'en sommes nullement surpris. Nous en éprouvons une profonde satisfaction, mais autant nous en sommes fiers, autant nous en tirons aussi et surtout toute la charge pédagogique pour guider nos pas face aux défis qui nous attendent. Des défis dans la vie du parti, des défis et responsabilités ensuite dans notre quotidien de concitoyens appelés à relever le bon message de l'Ivoirien nouveau. Enfin, les défis dans notre vie tout court où seule la valeur du travail, la tolérance ou le pardon ainsi que l'inclusion sociale des plus fragiles doivent constamment nous orienter. La nomination de Gilbert Kone-Kafana à la tête du directoire du RHDP résulte des recommandations formulées à l'issue des travaux de restructuration du parti engagés ces derniers mois. Restructuration qui a acté la dissolution de la direction exécutive du parti en lieu et place d'un secrétariat exécutif, une entité qui sera dirigée par Adama Bictogo. Sa mission sera d'exécuter les décisions stratégiques arrêtées par le directoire du parti. C'est donc pour nous aujourd'hui un renouvellement de confiance qui, à n'en point douter, nous engage encore plus. Je voudrais donc, au nom de ce secrétariat exécutif, vous assurer de notre engagement qui ne fera jamais défaut et qui n'a jamais fait défaut. Vous assurer de notre abnégation, parce que nous savons ce que vous représentez pour le RHDP, mais ce que vous représentez
pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour épauler Adama Big Togo, 4 secrétariats exécutifs adjoints et 27 secrétariats nationaux spécialisés ont été créés. Tous ont reçu une consigne ferme du président du parti, celle de maintenir la proximité avec la banque. Dans ce journal également, la réaction du gouvernement ivoirien après l'annonce dans une vidéo sur les réseaux sociaux d'une transition civile à Bamako au Mali. Le communiqué publié hier par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est lu par Abou Sanogo. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nommé Enea Ibrahim Camara annonce la mise en place d'un gouvernement de transition depuis la Côte d'Ivoire et s'autoproclame président du Mali dès le dimanche 27 février 2022. Le gouvernement ivoirien, respectueux de la souveraineté des États, ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire. Ce qui, du reste, est contraire à la tradition d'entente cordiale et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Le gouvernement condamne ces agissements qui sont contraires aux principes démocratiques d'accession au pouvoir d'État. Il réaffirme son soutien aux efforts en cours par la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali. La Côte d'Ivoire se réserve le droit de prendre des mesures à l'encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec des pays tiers. Les gestes barrières contre le coronavirus sont des gestes responsables, alors respectons-les et surtout faisons-nous vacciner. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 5 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 81 483 cas confirmés de coronavirus, 79 892 personnes guéries, 793 décès et 789 cas actifs. L'allaitement maternel constitue l'alimentation idéale pour les bébés. Cette recommandation était au centre d'une campagne de sensibilisation lancée récemment à Gonzague, dans la commune de Port-Boué. Objectif, promouvoir et encourager l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois du bébé. Les explications de Patricia Etia. Une mauvaise alimentation durant les premières années d'un enfant peut avoir des conséquences irréversibles sur sa santé. Pour des millions d'enfants, cela implique un retard de croissance qui les affectera pour le reste de leur vie. La première réponse à apporter, selon l'OMS, est l'allaitement maternel exclusif. Un enfant nourri uniquement au sein jusqu'à 6 mois tombe pas malade. Après 6 mois, jusqu'à 24 mois, l'enfant ne tombe pas malade comme ça parce qu'il a déjà une bonne base. Et la femme aussi, ça va de sa santé. Une femme qui allait correctement son enfant a moins de risques de cancer de sein. Le lait maternel comble les besoins nutritionnels du nourrisson pendant ses 6 premiers mois. Il n'a généralement besoin d'aucun autre aliment ou boisson pendant cette période. L'eau n'est même pas nécessaire. Voilà le message essentiel que délivre chaque année le programme. En malinké, le lait maternel, on appelle ça Cindy. Ça veut dire que l'eau du sein, donc quelque chose qu'il y a l'eau dedans, on ne doit plus mettre l'eau. Puisque le lait maternel renferme plus de 88% d'eau. À l'heure actuelle, dans notre pays, les taux d'allaitement restent faibles. Ceci vaut tant pour l'initiation que pour la durée de l'allaitement. L'enfant est toujours en bonne santé. On n'a pas de problème de santé jusqu'à... Elle a 10 mois maintenant, elle n'a pas de problème de santé. Le plan d'action national présente des interventions planifiées en accord avec les objectifs élaborés dans la politique nationale pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. Commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, des consultations médicales gratuites pour dépister les maladies graves ou rares ont été initiées récemment par l'organisation non gouvernementale Association au Pas du Cœur. Ces consultations se sont déroulées au service neurologique du centre hospitalier universitaire de Cocody. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. CHU de Cocody, dans le rôle du service neurologie, des patients qui attendent d'être reçus en consultation. Parmi eux, Laurent, venu accompagner son fils présentant des difficultés aux membres inférieurs. C'est mon fils qui souffre d'une maladie.
Il y a des analyses qui ont été faites. On nous pronostique certaines maladies. Aujourd'hui, nous sommes venus voir avec l'arrivée de cette ONG faire les consultations pour savoir exactement de quoi souffre la femme. Il s'agit d'une journée de consultation gratuite pour des personnes atteintes de maladies neuromusculaires. Une initiative de l'association Au Pas du Cœur qui œuvre en faveur de l'épanouissement des personnes vivant avec des maladies considérées comme mystérieuses parce que ne connaissant pas la cause. Nous sommes en train de faire des sensibilisations pour mettre le regard sur les personnes qui ont des pathologies rares mais qui n'ont pas accès soit au traitement, soit au diagnostic et encore moins à la prise en charge. Cet acte de solidarité de cette organisation non gouvernementale avec ses partenaires français vient situer les patients sur leur état de santé. Ces personnes souffrent de leurs muscles. Alors, à différents niveaux, ça peut être des maladies qui concernent uniquement le muscle ou la jonction neuromusculaire. Et c'est par l'examen clinique qu'on va pouvoir dire de quoi il s'agit. Faire l'extraction de l'ADN ici en Côte d'Ivoire, et c'est cet ADN qui est acheminé vers les laboratoires occidentaux afin de pouvoir typer la maladie génétique en rapport avec la pathologie. Et ensemble, voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner ces patients afin qu'ils puissent mettre un nom sur leur pathologie. En marge de ces consultations, des campagnes de sensibilisation et des conférences seront initiées. Deuxième titre de ce journal, la Côte d'Ivoire fait la promotion de la plateforme 8 Agri. Cet outil veut améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs, des petites et moyennes entreprises, ainsi que celles des femmes du secteur agricole vivant en milieu rural. La plateforme 8 Agri a été lancée le 24 février dernier lors d'une conférence de presse dans la commune du Plateau. Le point avec Espérance Djakalé et Jean-Jacques Kwame Ala. Contribuer à la préservation de l'environnement, à la création d'emplois et encourager les femmes et les jeunes à s'investir dans la production et la transformation des divers produits agricoles, c'est le sens de la mise en œuvre de la plateforme digitale dénommée 8 Agri. Cette plateforme, dédiée à la promotion et à la valorisation de l'agriculture, accompagne l'action gouvernementale en faveur de la filière anacarde. La noix de cajou est le produit sélectionné pour la phase pilote de ce projet. Dans la mise en place de ce projet, nous avons voulu comprendre leur fonctionnement, utiliser ce qui existe aujourd'hui et mettre en place des services qui sont pertinents, aussi bien pour les femmes qui sont dans le secteur de l'anacarde ou dans le secteur agricole, mais aussi pour toutes ces personnes qui cravachent dans les parcelles, ceux qui sont dans les activités de négociation pour que ces produits et ces services-là arrivent dans nos assiettes au bout de la chaîne. Ce programme va permettre aux agriculteurs, grâce à des formations en éducation financière, de bénéficier des financements, d'améliorer leur productivité et d'accroître leurs revenus. Nous voulons mettre la plateforme 8 Agri au service d'une agriculture moderne et inclusive. Nous avons aussi à cœur d'offrir aux femmes rurales, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de valeur, un accès facilité aux différents services qu'offre la plateforme pour pouvoir saisir toutes les opportunités qu'offre une agriculture moderne et inclusive. La plateforme a enregistré 2000 producteurs, acheteurs et PME en 2021. La mise en œuvre de cette première phase concerne les régions du Gontougo, Bouéké et du Yambol. Un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet accord signé il y a quelques jours entre le ministère de l'enseignement technique ivoirien et l'École française des métiers de la restauration et de l'hôtellerie vise à réduire le chômage des jeunes. Les détails, chaque connaît. À Sini Mafia, un littoral lagunaire qui offre une vue paradisiaque. Sur ce site balnéaire sont installés des réceptifs hôteliers qui affichent complet tous les week-ends. Dans ce secteur, les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme misent sur la qualité du personnel pour faire face à la concurrence. Ce que nous avons besoin, ce sont des gens vraiment
Très très professionnel. Nous faisons appel beaucoup à des gens d'Abidjan ou des gens même des expatriés. Mais je pense que les gens ici ont les compétences morales de le faire. Donc il faut juste vraiment les former, c'est-à-dire les former au niveau du service, les former au niveau de l'accueil, la cuisine également. C'est vraiment une formation de toute l'hôtellerie en général. Les réceptifs hôteliers d'Assini Mafia ont reçu la visite de clients bien particuliers. Des experts du domaine du tourisme et de l'hôtellerie venus s'imprégner de la réalité locale. Pour ce qu'ils ont vu et découvert, ils s'engagent à soutenir le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans ses initiatives de formation des apprenants et des formateurs en vue de fournir des ressources humaines qualifiées et compétentes. Le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend, dans sa nouvelle réforme, repenser et revaloriser son système de formation. L'ambition est claire, améliorer l'offre de formation. Il y a vraiment matière à revisiter les programmes en partenariat justement avec des institutions de référence, à former les formateurs, à rééquiper nos établissements pour que les formations atteignent un niveau de qualité, de compétitivité attendu. Le tourisme et l'hôtellerie, deux secteurs qui comptent pour l'économie ivoirienne. Le ministre en charge de la formation professionnelle veut en faire une voie sûre dans la lutte contre le chômage des jeunes. Une cantine scolaire neuve et équipée pour l'école primaire publique de Sayé, dans la région nord-est du pays. C'est un don du roi de Bouna. La remise officielle de cette cantine s'est déroulée en présence des autorités et acteurs du système éducatif. Les précisions de Godefroy Okambawa. Maintenir les enfants dans le système scolaire tout en leur facilitant les conditions d'apprentissage. C'est ce qui justifie cette initiative du roi de Bouna, Negegbiliman, en dotant l'EPP Sayé d'une cantine scolaire et des kits alimentaires. Une infrastructure qui permettra aux apprenants de se consacrer à leurs études. Avant, c'était difficile. Avant, quand les parents vont au champ, il n'y a rien à manger pour les enfants. Ils ne laissent rien pour les enfants. Et quand les enfants sont à midi, ils sont obligés d'aller cueillir des anacardes pour manger. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui, que Majesté nous a apporté des vivres pour commencer la cantine, nous lui disons merci. Depuis son accession au trône, Majesté a toujours prôné la bonne cohabitation, la mobilisation des filles et des fils de la région. Aujourd'hui, c'est ça. D'autres projets vont suivre à travers d'autres villages en matière de réalisation de cantines, en matière d'appui au système scolaire, en matière de réalisation de points d'eau pour permettre à nos populations de vivre en toute quiétude. Pour sa part, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Boukani a exprimé sa reconnaissance au roi. Pour lui, la cantine scolaire constitue un outil important dans la scolarisation des enfants. Ça permet aux enfants d'être alimentés et donc de mieux suivre les enseignements. C'est une cantine encore communautaire. En attendant que l'État joue sa partition, la population doit imiter le geste de Sa Majesté pour que la cantine puisse fonctionner. Selon les autorités en charge de l'éducation, le taux d'alphabétisation est faible dans la région du Boukani et des projets du genre vont s'étendre à d'autres localités de la région. La Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire engagée dans la lutte contre les congés anticipés. Sinclair Alain, son secrétaire général, a été investi récemment en présence des responsables du ministère de la Jeunesse. Lors de cette cérémonie, Sinclair Alain a réaffirmé sa détermination à mettre fin au phénomène dit des congés anticipés. Le point, Walter Amadou. Ces étudiants ont répondu présents à la cérémonie d'investiture du secrétaire général de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FECI. Élu en décembre dernier pour la mandature 2021-2023, Sinclair Alla rempile pour un second mandat à la tête de l'organisation. Investi dans ses attributs de secrétaire général pour un mandat de 2 ans, Sinclair Alla s'engage à faire de la fin des congés anticipés son cheval de bataille. Nous voulons prendre l'engagement historique de ce que, après cette année, vous n'attendrez plus parler de ce phénomène, parce que tous ces leaders sont mobilisés, engagés comme un seul homme pour aller éradiquer ce fléau dans notre système.
Présent à cette investiture, Souleymane Touré, conseiller du Premier ministre en charge de la jeunesse, a saisi l'occasion pour inviter le secrétaire général nouvellement investi à s'inscrire dans le concept « zéro violence à l'école ». Nous sommes venus ici aujourd'hui leur dire qu'il faut qu'après leur passage à la FESI, qu'ils lèguent aux prochaines générations vraiment une organisation dont l'image est encore plus reluisante et plus respectée dans la société ivoirienne. Par cette investiture, Sinclair Allah devient le 11e secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, une organisation qui a pour but de défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Un petit tour à présent à Boaké, dans la région centre du pays. La station régionale RTI Boaké a désormais un restaurant flambant neuf et 10 nouveaux bureaux. Ces nouvelles infrastructures ont été inaugurées il y a quelques jours en présence du directeur général du groupe RTI, Fosséni Dembélé. Les détails, Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Boaké. La coupure symbolique du ruban barrant, l'entrée des locaux marque l'ouverture officielle des nouvelles infrastructures du RTI Boaké. Un bâtiment de 10 bureaux et un restaurant flambant neuf. Un rêve longtemps caressé devenu réalité 10 ans après la réouverture de la station régionale. Monsieur le directeur général, vous avez fait votre part. Nous prenons de nouveau l'engagement de faire la nôtre, car c'est un sacerdoce. Les agents de RTI Boaké vous disent merci. À cette cérémonie, le directeur général de la RTI avait à ses côtés les ministres Amadou Koné, Jean-Claude Kouassi, le représentant du ministre de la Communication et les autorités locales. Fosséni Dembélé demande au personnel de RTI Boaké de redoubler d'ardeur au travail pour le bonheur des populations. Nous attendons de nos agents qu'ils fassent davantage, qu'ils soient plus proches davantage des populations, qu'ils fassent davantage preuve de créativité, de proximité, pour donner toute sa place à RTI Boaké, qui est la principale station régionale qui fait la fierté de la RTI et de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et le ministre des Transports ont félicité, encouragé le directeur général de RTI et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu au quotidien. Les orateurs se sont engagés à accompagner la RTI dans toutes ses actions de développement. Le ministère technique se tient aux côtés de la RTI. Nous allons soutenir toutes les actions qui visent à faire de la RTI une entreprise qui brille dans le secteur de l'audiovisuel. Nous sommes engagés à vos côtés, bien sûr, pour tout ce qui a été fait, mais engagés aux côtés du personnel ici, pour que RTI Boaké continue de travailler dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, parce que notre ville en a besoin. Renforcer la cohésion nationale dans le pays, faire émerger des pôles économiques importants comme la région de Boaké. Pour le maire de Boaké, Gibo Nicolas, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments est une nouvelle page qui s'ouvre pour RTI Boaké et contribue ainsi au rayonnement de sa ville. La radio et la télévision Boaké ont été respectivement réouvertes le 29 décembre 2011 et le 1er mars 2012. La station régionale compte plus de 50 agents. En image, l'actualité hors de chez nous, la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso a été fixée hier à 3 ans. C'est ce qu'indique une charte signée hier par la junte militaire qui a renversé le 24 janvier dernier le président élu Roch-Marc Christian Kabore. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.